Hello, hello, je vous reprends sur le même plan que la fin du vlog précédent pour ouvrir ce nouveau vlog. Je viens vous prendre avec moi pendant quelques jours. Je n'ai pas encore défini la date à laquelle je vais terminer parce que c'est un peu différent. En général, je faisais 3 jours, 4 jours, mais c'était en fonction de mon travail. Mais là, je suis en vacances en fait. Je viens de comprendre que j'étais en vacances. Je crois que je vais un petit peu profiter quand même. Donc là, oui, je suis en vacances, donc j'aurai le temps de lire, le temps de vous raconter plein de petites choses. Aujourd'hui, on est un petit peu en mode brunch, donc je vous montrerai ces quelques images, puisque en Belgique, on a le droit d'inviter une personne. Je vais un petit peu vous montrer quelques petites choses que j'ai cuisinées là pour le brunch. J'ai trop hâte. Et vite faire ma photo du dimanche aussi, parce que j'adore faire cette photo du dimanche qui me relaxe, qui m'apaise, avec toujours un petit peu de bouffe. Voilà. Donc voilà la table avec les petites décos, préparation pour le brunch. Donc je vais un petit peu vous montrer ce que j'ai fait. Donc ici vous voyez les muffins courgettes compote, une recette de Jean-Philippe. J'ai préparé les tasses pour faire du jus de pomme chaud qui était vraiment très très bon, c'est la recette du prince au petit pois. Ici nous avons des mini quiches salées, du houmous, des toasts pour faire des toasts en fait à base de houmous. Et puis juste au-dessus du tofu brouillé que vous voyez qui est encore chaud là. Et puis j'avais fait des petits poivrons caramélisés pour mettre sur les toasts, c'est vraiment très très bon. Je vous retrouve, on est lundi et c'est le moment, c'est l'instant de vous présenter toutes les tasses de Noël. Puisque je vous ai demandé dans un des derniers vlogs si ça vous intéressait de voir ma collection de tasses. Et bon, je vous ai dit que c'était peut-être plus facile de vous montrer que les tasses de Noël. Et vous avez été quelques-uns quand même à me dire que ça vous intéressait. Et du coup, bah, comme vous l'avez vu dans le titre, une grande partie de cette vidéo sera consacrée à la présentation des tasses de Noël. Je me suis quand même rendu compte que quand j'ai vidé toutes les tasses de Noël hiver, j'ai mis aussi les tasses d'hiver, eh bien, bah, il restait plus grand-chose hein, dans mon armoire. Donc je me rends compte qu'en fait, essentiellement, j'ai des tasses d'hiver. Et enfin, d'hiver, on s'entend, je les utilise toute l'année, mais plus typé Noël et hiver. Je suis bien consciente, suite à une des vidéos que j'avais faites où je parlais de surconsommation, que c'est beaucoup de tasses, c'est beaucoup trop pour une seule personne. J'ai encore fait du tri, je songe après cette vidéo faire encore du tri pour en virer quelques-unes. Non pas les jeter mais bien les donner. C'est donc une énorme collection, j'en suis bien consciente. Hein. Voilà, ça fait partie de mon problème à moi, de quelques collections que j'ai et là c'est assez... Ouais, c'est assez effrayant quand même. Bon, clairement, on n'est pas là pour faire une thérapie, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais la prendre un peu comme elles viennent. La première que je trouve, c'est une que j'ai achetée il y a peut-être 2 ans sur le site de Caro from Moonland. Je l'utilise en cache-pot parce que ma petite astuce aussi, c'est que... Enfin, astuce, je ne sais pas, mais c'est que, étant donné que je suis très fan de tasses et que je suis très fan de plantes, ce sont deux passions qui sont assez conciliables, donc il y a beaucoup de tasses qui sont des cache-pots. Du coup, j'économise en cache-pot, peut-être, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser que la plus... Enfin, il y a quand même une dizaine de tasses qui sont utilisées en cache-pot, notamment celle-ci, de Caro from Moonland, qui chaque année fait une nouvelle tasse. Cette année, d'ailleurs, j'avais craqué sur celle qu'elle a fait en collaboration avec Leno, il me semble, une créatrice. Je ne l'ai pas encore eue, mais je l'ai achetée avant de vous dire je n'achète plus de tasses en 2020. Promis, mais elle est juste pas encore arrivée. Mais bon, voilà, c'est aussi une Caro from Moonland. Mais je la trouve très chouette. J'utilise en cache-pot parce que je trouve que c'est idéal pour la taille de pot. C'est une petite San Severia là. Une autre que j'utilise en cache-pot, c'est celle-ci. J'utilise pour mettre ma chaîne de cœur qui ne va pas très bien. Enfin, là, les bouts qui pendent vont bien. Mais disons qu'elle a été bouturée là. Elle est en attente d'être un peu. Renforcé parce qu'il n'y a que 2 tiges, mais sinon c'est une très belle tasse de chez H&M Home d'il y a 1 ou 2 ans il me semble. Par contre elle n'est pas du tout pratique parce que quand vous buvez vraiment la tasse est brûlante et comme il n'y a pas de anse c'est assez embêtant pour boire, donc je bois très peu dedans et j'utilise plutôt en déco pour mettre ma petite plante d'amour que j'aime beaucoup. Une petite tasse qui date d'il y a quelques années, c'est une tasse de chez Maison du Monde. Elle a un petit chapeau aussi, mais je vous avoue que j'ai mis tous les petits chapeaux dans une boîte parce que forcément pour les empiler c'est un peu compliqué. Il me semble qu'il y avait aussi une plante dedans, mais parfois j'alterne, hein, je change une fois, j'enlève la plante et je la mets dans une autre tasse. Et donc là j'ai utilisé ce matin et elle est très chouette avec son petit... Elle a un petit bonnet, elle est très chouette, elle est mignonne, elle est assez petite et c'est le genre de tasse pour vous raconter ma vie que j'aime bien utiliser le matin puisque le matin avant d'aller bosser. Je n'arrive jamais au bout de mes tasses de thé, je m'en rends compte. Du coup, j'ai fini par prendre la décision de faire des mini tasses. Et du coup, bah, ces petites tasses sont vraiment très très bien pour le matin. Ensuite, une tasse de Noël qui vient de cette année que j'ai reçue de mon amie Céline, que j'ai reçue dans notre swap le premier jour. C'est trop mignon parce que c'est pas un renne de Noël, c'est une biche de Noël. C'est marrant parce que mon totem c'est Daguet, c'est un petit fan.
Et donc, c'est moi, quoi. C'est trop mignon. Et je l'aime beaucoup pour boire un chocolat chaud. C'est super réconfortant. Là, le soir, un chocolat chaud hyper gourmand. Elle est bien large. Je pense que vous pouvez la trouver, oui, chez Tiger. Tiger, je ne sais pas comment vous dites. Chez Tiger, peut-être qu'elle est encore là. Mais en tout cas, elle est hyper agréable. Ah, ben là, je tombe sur une de mes plus belles tasses. Une acquisition que j'ai faite cette année chez Villeroy & Bosch. J'ai profité d'une réduction qu'il y avait dans le magasin. Je crois que c'était pour le Black Friday en novembre, fin novembre, là. Cette tasse, visiblement, quelqu'un m'a dit que c'était en porcelaine. C'est magnifique. Je l'adore. Elle est super agréable. Quand le thé est très, très chaud, c'est quand même... je me brûle pas. Et vraiment, elle est très bien à prendre en main parce que je suis assez difficile en fait, mine de rien, même si j'en ai plein, je suis très difficile avec mes tasses. Il me faut vraiment quelque chose de confortable. Et donc celle-là, je la trouve sublime. Il y a plusieurs versions, hein. Ils en font pas mal des différentes, mais je la trouve vraiment chouette. Alors, une qu'on a utilisée ce matin, c'est pour ça qu'elle est encore un petit peu mouillée. Je viens de terminer la vaisselle, je n'ai pas essuyé, du coup, il y a encore un peu d'eau. C'est celle-là qui est une de mes préférées aussi, qui vient de chez Maison du Monde de je sais plus quand par contre, je sais pas si vous pouvez encore la retrouver. C'est une tasse transparente où il est marqué Enjoy a cup of homemade tea et je l'adore parce qu'on voit, j'adore le côté transparent, on voit le liquide qu'on boit, j'ai un truc avec ça, j'aime bien qu'on voit notre chocolat chaud, le matcha latte bien vert ou le thé, ah oui j'adore ça et c'est vraiment un vrai plaisir, peut-être moins esthétique en photo mais en tout cas c'est pas que pour les photos que j'utilise des tasses, mais par contre celle-là j'adore l'utiliser donc je vais la garder là près de moi pour me faire une tasse juste après. Ici, je tombe sur une tasse, alors pour la petite anecdote, je l'ai achetée l'année passée et je me suis rendu compte, allez Isabelle, t'as trop de tasses, je l'avais mise dans la boîte à donner sans l'utiliser. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'avais bien emballé, bien protégé et cette année, en faisant un peu de tri, j'ai retrouvé la boîte à donner que je n'avais pas donné donc depuis un an, hein, c'est un peu scandaleux. Et je suis tombée sur cette tasse et je me suis dit, allez, je vais l'utiliser une ou deux fois. C'est cette petite tasse de chez Blocker, il me semble. Alors c'est pas très fin au niveau du dessin, c'est un peu pâle, c'est un peu pixelisé, le dessin ici vous voyez, c'est pas du grand art, mais en fait pour finir je la trouve assez charmante et assez agréable, c'était Blocker l'année passée, je pense que je vais quand même la garder, voilà. La suivante, c'est une tasse Zara Home, il me semble, celle-là je l'ai utilisée en fait la plupart du temps pour mettre mes branches de sapin. Donc je l'ai commandée sur internet parce qu'en magasin elle était introuvable. Je la trouve très jolie mais par contre pas très pratique en tant que tasse. Donc moi j'aime bien l'utiliser en tant que pichet. Il y a encore de l'eau dedans parce qu'en fait je viens de prendre deux photos avec cette tasse. Sinon je la trouve très jolie mais pour boire du thé c'est pas très pratique. On peut mettre que deux doigts, enfin c'est pas très confortable. Mais sinon c'est vraiment une tasse de Noël. Je regrette juste que, parce que comme je l'ai commandée sur internet, que j'ai été la chercher en magasin, que le rouge ne soit pas plus Noël. Je trouve qu'il est, enfin ici on le voit pas très bien, mais en vrai le rouge est un tout petit peu... Il ne fait pas Noël comme je voudrais, on va dire. Alors celle-ci, c'est pas vraiment une tasse de Noël, mais je me rends compte qu'elle fait quand même Noël. Je la trouve très très jolie avec des petits renards, qui est un de mes animaux préférés. De toute façon, tous les animaux, mais tous les animaux de la forêt particulièrement, ou les animaux roux, enfin bref. Et là, avec une alocasia qui ne va pas super bien, surtout là on est en automne, hiver, donc bon... Je pense qu'elle est un peu en dormance, mais c'est une jolie tasse. Celle-là, je l'avais chopée chez Filigrane. Voilà, je l'avais chopée chez Filigrane. Et de temps en temps, ils vendent des tasses chez Filigrane, mais elles sont quand même assez chères. Donc voilà, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas si... Je ne vois pas si on voit correctement la tasse. Si on la voit correctement, ça va, tout va bien. Je tombe ici sur un paquet que j'ai acheté, il me semble, l'année dernière ou l'année d'avant. C'est cette fameuse collection de chez Maison du Monde. Alors, c'est pas forcément Noël. Enfin, si, il est marqué Enjoy Winter. Donc, on est quand même en hiver. J'adore ces tasses. Je pense qu'ils en vendaient en grand. Mais moi, je savais pas choisir. J'avais pas acheté chaque animal. Je ne sais plus s'ils avaient tous les animaux en grand. Mais je me suis dit, allez, je vais prendre l'entièreté. C'est le genre de truc que j'utilise quand il y a des invités. Donc, clairement, pas depuis presque un an. Parce que, le confinement oblige. J'en ai marre. Mais par contre, c'est bien pratique pour les mini plantes, en fait, les toutes petites plantes. Je mets parfois des petites plantes dedans. Sinon, pour boire un tout petit café, c'est bien.
Voilà. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je ne les ai pas utilisées. Voilà. Dans une de mes dernières vidéos, vous avez vu mon craquage sur cette tasse-là, qui est une tasse qui vient de chez Deleuze. Je la trouve vraiment très choupinou. J'ai mis une plante dedans qui est très heureuse, même si c'est vrai que c'est peut-être pas idéal de mettre un pot aussi serré dans le cache-pot. Logiquement, il faut laisser un petit peu respirer. Donc je vais peut-être changer un moment, mais là pour le moment il est dedans, j'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore utilisé pour la boire, c'était vraiment pas cher, hein. Donc je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit je vais aller voir Deleuze si vous l'avez, enfin s'ils l'ont, donc bah voilà, je l'aime beaucoup cette tasse, elle est vraiment très agréable et j'aimerais, c'est vrai que je n'ai pas encore fait de photo cette année. Ce sera peut-être pour ma photo de Noël, parce que je réfléchis à ce que je vais utiliser pour ma photo de Noël. Vous l'avez vu celle-ci également dans la vidéo où je vous présentais ma nouvelle tasse Casa. Je suis pas certaine qu'on puisse la retrouver parce qu'honnêtement, en magasin, elle n'est plus là. Peut-être sur internet. Donc voilà pour celle-ci, je la trouve très jolie aussi. Je viens de faire une photo avec cette tasse-ci. Alors c'est une tasse Maison du Monde que j'ai achetée cette année où il est marqué Merry Christmas. Alors je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors que de prime abord, je pense que quand je l'avais vu sur le site, je n'avais pas forcément envie. Et la raison pour laquelle j'ai craqué, vous allez voir que je suis quand même très influençable. J'ai vu un vlog de Noémie et Tanguy, Noémie et Makeup Touch. Elle avait fait un vlog et elle disait qu'elle avait commandé cette tasse et qu'elle l'aimait trop parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si grande. Et du coup, j'ai été voir en magasin et en fait, j'ai vu qu'elle était super grande et je trouve ça super agréable d'avoir une énorme tasse. Elle est très haute en fait par rapport à d'autres. Donc ouais, c'est super agréable en fait, elle est chouette à prendre et c'est juste pour ça que j'ai craqué et aussi parce que je sais pas si en ce moment c'est toujours le cas, mais ils font 50% sur toute la collection de Noël chez Maison du Monde, en tout cas là où j'ai été. Du coup, j'ai pas résisté deux secondes, je l'ai prise cette année. Ça m'a coûté 3,40€, un truc comme ça, donc vraiment rien du tout. Et vraiment, j'adore l'utiliser avec un énorme thé le soir, une tisane ou un chocolat chaud bien gourmand là, ou un matcha latte où on a vraiment tout l'espace pour faire une mousse. C'est vraiment un vrai bonheur à utiliser, je pensais pas que je l'aimerais autant, mais je l'aime beaucoup. Une tasse qui vient d'un marché de Noël, mais là, il y a des années, je ne peux même pas dire en quelle année. Je pourrais même lire, enfin en fait, je pourrais peut-être le lire en général, c'est marqué. Mais ça vient d'un marché de Noël d'Allemagne, hein, parce que c'est un peu le rituel dans la famille. On va chaque année, on allait chaque année au marché de Noël en Allemagne. Et donc celle-là, elle date d'il y a un certain temps et moi, je l'utilise toute l'année pour remettre des fleurs séchées. J'aime beaucoup cette tasse, je l'adore. J'ai vraiment... C'est rouge, bien pétant, bien Noël. Je l'adore. Franchement, je suis très très fan de cette petite botte. Également une tasse de marché de Noël, mais pour le coup, c'est une tasse que j'ai achetée dans un magasin de seconde main qui vendait, vous savez, type petit rien, mais qui vendait des meubles et des tasses et des trucs comme ça. Et donc là, c'est une tasse qui date de 2014 que j'ai achetée dans le magasin. En fait, c'est pas du tout... j'ai pas du tout été à ce moment-là, mais je la trouvais très chouette. Elle a un chouette look, une chouette petite botte. Et pareil, c'est une petite tasse que j'aime bien utiliser le matin avant d'aller travailler parce que je suis sûre de la terminer parce que sinon pareil mon chéri quand il se lève il voit une tasse à moitié remplie donc c'est un petit peu triste donc voilà c'est vraiment vraiment chouette. Quand je suis allée au marché de Noël l'année passée avec mon amie Céline, on a craqué sur ces petites tasses. Ici c'est quoi, qu'est-ce qu'il est? Oh, c'est le couturier. Voilà, je l'ai pris, c'est le couturier. Pour la petite anecdote, vous savez dans les marchés de Noël on achète un vin chaud. Je crois que c'est, je sais plus ce qu'on avait pris, ou un jus de pomme chaud. Et si on paye un peu plus, on reçoit la tasse. Mais on sait pas trop la tasse qu'on va avoir. Et il me semble, ça me fait rire, il me semble que Céline, c'est toi qui avais reçu le boucher, un truc comme ça, alors qu'on est vegan toutes les deux. Donc je sais plus si on avait reçu le boucher, mais il y avait une anecdote avec le boucher. Du coup, bah forcément, on avait été changé. Et oui, c'est trop marrant. Et donc ici, c'était le couturier. Et j'aime beaucoup. Je la trouve très chouette. Pareil pour le matin. Très agréable. Ça n'a pas l'air, mais on avance, je vous jure. Ici, c'est une tasse plutôt d'hiver. Alors, mon compagnon, quand il l'a vu la première fois, je crois que c'est l'année dernière que je l'avais acheté, il m'a dit, mais ça fait un peu chasse. Oui, c'est vrai que ça fait un petit peu chasse, alors que je n'avais pas pensé à ça. C'est cette tasse-ci. C'est plus une tasse... ouais, c'est vrai. Enfin, c'est plus automnale. J'ai aussi pas mal de tasses assez automnales. Pas autant. Hein. J'en ai quelques-unes là qui font automne. Mais bon, je vais quand même pas vous les présenter dans cette vidéo. Ça va être trop long déjà. Ici, c'est une petite biche. Enfin, un petit cerf plutôt. Ça vient de chez H&M Home. Ça fait un moment qu'ils la vendent. Maintenant, je ne sais plus s'ils la vendent encore. Elle est agréable, franchement, mais je l'avais un peu oubliée quand j'ai été chercher les tasses de Noël. Et c'est vrai que c'est plutôt automne. Enfin, de toute façon, cet animal vit toute l'année. Et donc, en soi, ça fait
tous les mois de l'année. Une tasse qui paye pas de mine, mais qui est vraiment charmante, c'est celle-ci. Il me semble que je l'avais achetée à Lino, je ne sais pas si elle est encore disponible. Les couleurs sont assez pâles, assez fades. C'est vraiment des petits casse-noisettes, j'aime beaucoup ça. Voilà, je la trouve agréable. Pareil, une petite tasse pour le matin avec une forme assez particulière, très agréable. Franchement, et elle n'était pas très chère, c'était vraiment un petit coup, un petit craquage là. Et franchement, elle est chouette. Le classique que vous voyez sur chaque vidéo avec des bibliothèques derrière, vous voyez ce que je veux dire. L'éternel petit renard, je l'ai acheté l'année passée à Cologne, aux Maisons du Monde de Cologne. Je me souviens que j'avais craqué alors que je m'étais dit bon tout le monde l'a, mais en fait elle est tellement agréable. En fait elle est assez haute, très étroite et c'est assez particulier en fait et c'est vraiment un bonheur à utiliser. Par contre dans notre deal avec le compagnon, c'est lui qui fait la vaisselle. Et moi qui fais à manger la plupart du temps. Et du coup, il me dit, c'est insupportable à nettoyer. Voilà. Donc, je la mets pas toujours au lave-vaisselle. J'aime pas trop mettre certaines tasses au lave-vaisselle. Et lui, quand il doit la sécher ou vraiment juste la nettoyer, ben, il galère un peu. Le pauvre. Il faudrait que je pense à lui pour les prochaines tasses. On va essayer qu'il n'y en ait pas trop de prochaines. C'est là que je vois qu'il y en a une que j'ai pas mise dans la vidéo. Je vais la rajouter juste après. Mais oui, elle est, je l'adore en fait. Je me rends compte qu'elle est vraiment super agréable à utiliser. Je vais arrêter de la chipoter, sinon je vais la faire tomber. Alors, ensuite, alors celle-là, c'était un peu une déception, j'avais craqué, je ne sais plus quand, sur cette tasse, ça vient de, c'est 2019, Tree Coastal Design, c'était sur le net, c'était sur un site internet, sur la photo elle était vraiment jolie, et en fait quand je l'ai reçue, j'avais eu un peu une déception, c'est pour ça que je ne l'ai jamais vraiment utilisée, à part... Ouais, c'est de nouveau très chiant à nettoyer en fait parce qu'il y a des creux un peu spaces. Et j'ai vu cette année qu'elle était dispo sur Amazon. Je l'ai vu passer sur Amazon. Maintenant, je sais plus sur quel site je l'avais acheté. Mais j'étais un peu déçue quand je l'avais reçue. Elle était pas super chère, donc c'est peut-être... c'est pas très fin quoi. C'est un de mes animaux préférés aussi. C'est mignon, hein, mais c'est pas hyper fin, je trouve, comme travail. On arrive au bout. Ma cousine Marie m'a offert cette tasse il y a quelques années. Elle sait que j'aime bien donc les tasses de Noël. Et donc, quand elle est allée au marché de Noël en Allemagne, elle m'a pris celle-là, que je trouve très jolie, que j'avais un peu oubliée. Elle était au fond de mon armoire de tasses de Noël. Et honnêtement, je la trouve charmante. Une petite cigogne typique Alsace plutôt, et avec du rouge et du blanc bien traditionnel, elle est vraiment chouette. Ça c'est pareil pour le matin, oh oui, je vais la mettre devant là parce que je trouve qu'elle est trop en arrière. Elle est vraiment jolie, donc ça date de 2018 à mon avis, c'était pas l'année passée, c'était l'année d'avant. En tout cas c'est pas cette année, ça c'est sûr. Encore une tasse qui a un couvercle et qui donc qui a... Enfin, son couvercle est dans une petite boîte. C'est celle-ci. C'est un cadeau de mon amie Annabelle. On avait fait un swap. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. On a fait un swap sur Livre Addict. Et il y avait ce cadeau-là. Il me semble que c'était un petit calendrier de l'Avent qu'on avait fait. C'était vraiment super chouette. Il y a quelques années. Et c'est vraiment une tasse Magic Moments. Voilà. Et il y a un petit chapeau avec un petit renard, il me semble. C'est vraiment une très chouette tasse. Pareil, hyper agréable en prise en main. Je n'ai pas beaucoup de tasses bleues parce que le bleu n'est pas forcément ma couleur préférée dans ma déco, etc. Mais justement, comme j'en ai quelques-unes, j'en ai une ou deux, et du coup je les trouve encore plus jolies parce qu'elles sont... c'est vraiment un très beau bleu, vous voyez, c'est vraiment... ouais, j'aime beaucoup en fait, je me rends compte que comme j'en ai pas beaucoup, elle est plus mise en évidence, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis assez fan de cette tasse aussi. Une tasse qui n'est pas spécialement de Noël, mais qui pour moi est vraiment dans les couleurs, c'est cette tasse-ci de chez Maison du Monde. Alors celle-là, je ne sais pas de quand elle date. Je sais que j'en avais offert une à ma petite belle-maman, et je sais que l'année d'après, j'avais craqué, parce que à chaque fois que j'allais chez elle, je la voyais, oh, elle est trop belle, du coup j'avais craqué aussi. Elle n'est pas hyper pratique par contre pour la prise en main, pareil, les petites anses, c'est pas super pratique. Franchement, on en est au point de faire des études comparatives entre les tasses, hein, franchement. Et du coup, j'utilise en cache-pot la plupart du temps. C'est pour ça que je la vois pas souvent parce qu'elle est toujours cachée avec une petite plante. Mais sinon, je la trouve sublime. Elle est vraiment magnifique avec son dessin ici.
Donc voilà, beaucoup de maisons du monde. Ensuite, on est sur une tasse d'Il et Camille. C'est pas vraiment une tasse de Noël, mais je trouve que c'est une tasse que moi j'utilise toute l'année. C'est parfait au niveau du confort. C'est vraiment assez large comme ça pour un chocolat chaud gourmand le soir avec de la crème. Vous savez, la crème au soja de chez, je sais plus la marque, enfin bref, une chantilly vegan qui est très très bonne. C'est très gourmand, c'est à chaque fois, cette tasse, elle crie la gourmandise. Je sais qu'elle existe en un petit peu plus petit chez Dile et Camille en ce moment, en plus foncé. Celle-ci, je pense que c'est une collection il y a 2 ans, ou l'année dernière, je ne sais plus. La fille, l'année dernière, elle a dépensé je ne sais combien en tasse. Mais ouais, j'adore cette tasse, elle est vraiment très très chouette. L'autre tasse d'Il et Camille, c'est celle-ci qui comporte une plante que je devrais arroser d'ailleurs et enlever les petites feuilles qui ne vont pas très bien. Elle est vraiment très très chouette, je l'adore. Elle a un petit village de Noël, je ne pense pas que vous puissiez la retrouver cette année. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup, elle est très... Ouais, je trouve qu'elle est très adaptée en fait pour des plantes. Je trouve ça vraiment très très joli. Ce sont des tasses, il me semble, en émail, donc très légères, là, qu'on peut faire tomber par terre sans casser, enfin... On évite, mais disons qu'elles sont moins cassables que les autres. C'est le genre de tasse qu'on prend avec en promenade. On va passer aux tasses qui vendent chez Nature et Découverte. Il y a vraiment de superbes collections. J'en ai d'autres, mais qui sont pas du tout Noël, donc ça sert à rien. Mais j'en ai 4 ici qui viennent de chez Nature et Découverte. C'était l'année où j'y travaillais, donc c'était vraiment en 2016, il me semble, 2015-2016. J'avais craqué sur celle-ci, qui est vraiment, je vous l'ai montrée, et c'est Cultivated Curiosity, qui est marquée. C'est une tasse qui est vraiment bien pour mettre une plante. C'est vrai quand quand c'est trop chaud, il faut quand même un petit peu attendre avant de la prendre en main. Mais c'est pas au point de celle de H&M que je vous ai montré tout à l'heure. Mais en tout cas, celle-ci, elle est vraiment très jolie. Et alors, il y a Let It Snow. Que pour finir, je suis pas hyper fan de cette tasse. Je l'utilise en pot à crayon, pour vous l'avouer. Et en fait, il est marqué Pyjamas All Day. Et je crois que c'est pour ça que j'ai craqué il y a quelques années sur cette tasse. Parce que sinon, je la trouve pas forcément magnifique. Mais voilà, elle est quand même... Elle est quand même sympa, hein, mais c'est pas ma préférée, on va dire. Et donc, elle pourrait faire partir... Je pense qu'elle pourrait faire partir de celle à donner, parce que c'est pas ma préférée. Toujours chez Nature et Découverte, l'année passée, ils ont sorti une collection avec des dessins. Alors, je les trouve un petit peu moins subtils, un petit peu moins fins que les autres dessins. Mais j'ai quand même craqué parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci avec du brillant. C'est une famille de chouettes, une famille chouette avec une petite lune. Et à l'intérieur, on a un bébé chouette qui est vraiment trop mignon. Et on a aussi les loutres qui sont très mignonnes aussi. Et j'ai craqué surtout parce que je suis pas extrêmement fan du dessin. Mais j'ai craqué surtout pour ceci. Donc à l'intérieur, on a... quand même un bébé loutre. Je sais qu'ils avaient un lynx l'année dernière que j'ai pas pris parce que pour le coup j'aimais vraiment pas le dessin. Cette année il me semble qu'il y en a une qu'ils vendent encore chez Nature et Découverte, mais je ne sais plus laquelle c'est. C'est peut-être bien le lynx en fait. Et alors mon craquage le plus honteux, c'est un craquage dans un magasin que je boycotte un peu. Je pense que j'ai été une fois cette année pour acheter cette tasse et pour boire un café latte. Et donc j'ai craqué sur une tasse qui est vraiment très mignonne, hein, mais en fait je me rends compte qu'elle prend des traces. Franchement, je regrette de plus en plus d'avoir craqué sur cette tasse. C'est ce petit machin. C'est très mignon, hein, mais en fait, ils ont vendu une qui ressemble vraiment chez Maison du Monde. Donc, j'aurais peut-être dû prendre celle de Maison du Monde. Et il y a une trace là que j'arrive pas à enlever sur son œil. Là, ça m'embête un peu. Pour le prix en plus, c'est vraiment c'est scandaleux. Donc voilà, c'est un petit peu le craquage de la honte là cette année. C'était un moment où ça n'allait pas trop. Je voulais m'acheter une tasse et voilà, je savais qu'elle existait celle-là. Avec le petit café et tout, et ouais. Là, j'ai un petit peu honte, je vous l'avoue. Sinon, bah, y a celle de Caro Frommoulin qui doit arriver, je ne sais pas quand, c'est le partenariat, c'est une tasse blanche, parce que la rouge, j'allais pas la reprendre, parce que j'en ai une qui ressemble quand même beaucoup. C'est une blanche, vraiment, de Noël. Si je l'ai après, c'est pas grave, je l'utiliserai vraiment en janvier, et puis l'année prochaine. Sinon, j'ai aussi une gentille personne, une gentille abonnée qui m'a envoyé, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ce sont des tasses. Donc voilà, je dois encore les recevoir également. Je ne sais pas combien il y en a, puisqu'il y en a des, mais je ne sais pas combien. Donc voilà, ça fera quelques-unes, donc vous verrez sans doute prochainement sur les photos. J'ai aussi quelques tasses, des pièces un petit peu rares de créateurs, vraiment magnifiques. Je vous en parlerai à l'occasion. J'en ai deux déjà, magnifiques, et une troisième, il me semble, oui, que
que je vois là-bas, voilà, des pièces de créateurs que je pourrais vous présenter mais qui sont pas du tout Noël, donc qui rentraient pas trop dans le thème de cette vidéo. Et sinon, bah, j'ai une petite collection aussi de tasses Harry Potter, enfin petite collection, pas comme celle-ci, hein, de 6 tasses il me semble, 6 ou 7 tasses Harry Potter, un peu plus difficile à trouver. Du coup, si ça vous intéresse, une autre fois je vous montrerai ça, si vraiment ça vous intéresse, parce que c'est vrai que je me rends compte que j'ai beaucoup de tasses dans des magasins... en grande distribution, quoi. Voilà, j'aime bien maintenant me diriger vers des trucs un peu plus rares, même si mon comportement récemment ne le prouve pas, mais j'aime bien quand même me diriger vers des choses un peu plus rares, un peu plus difficiles à trouver, et puis fait forcément par des créateurs et pas par Maison du Monde, Made in China, quoi. C'est tout pour cette petite partie, cette grosse partie tasse de Noël. N'hésitez pas à me dire si vous en avez en commun. Voilà, si ça vous intéresse ce type de vidéo, je sais que Margot Liseuse a fait une vidéo où elle présentait toutes ses tasses de Noël, et je sais que Caro Formoulin l'a fait également, donc n'hésitez pas à aller voir les leurs, parce que c'était super chouette, j'ai bien aimé regarder ça. Voilà. Petit insert dans la vidéo pour vous parler un petit peu de nourriture. Aujourd'hui, c'est une journée un peu speed parce que je vais m'occuper de préparer quelques cadeaux de... Enfin, que je vais. Il est 5h du soir, donc je suis en train de préparer pas mal de cadeaux. Et donc, enfin, de cadeaux, de personnes que je vais voir... dans la rue, on va se voir faire une promenade notamment. Et du coup, ben, j'ai envie de préparer des petites choses. Et du coup, là, je vais faire des petits spéculoos pour offrir et pour en avoir aussi un ou deux. Et aussi parce que j'ai envie de faire un tiramisu spéculoos vegan de Noël. Et du coup, je vais utiliser les spéculoos que j'aurais fait. Comme ça, je ne dois pas en acheter, tout simplement. Mais bon, voilà, je vais essayer de vous amener avec moi pendant que je fais les petits spéculoos. Je voulais juste vous montrer une petite découverte là que j'ai faite, puisque je suis assez fan de porridge. C'est quelque chose que dernièrement j'ai pas fait souvent, j'oublie un peu d'en faire. Mais j'aime beaucoup ça, préparer du flocon d'avoine et je viens mettre des bananes ou quoi, quelque chose à manger le matin. Et en fait, j'ai craqué chez Farm sur celui-là. C'est un porridge, en fait, carrot cake. Et sur l'image, ça donne méga envie. Alors, je viens de goûter, parce que j'ai oublié de manger ce midi. Donc, j'ai pris ça, là, vers 5h. Et en fait, c'était vraiment très, très, très bon. C'est pas aussi fort que le... Enfin, voilà, l'image est hyper appétissante, c'est pas aussi appétissant que l'image, il n'y a pas ces petites oranges par au-dessus. Enfin voilà, ça goûte un petit peu de tout ça, mais je trouve que ça manque encore d'un petit quelque chose, mais sinon c'est vraiment très bon. Je pense qu'en rajoutant un petit peu de sirop d'agave et peut-être un petit truc... ouais, râpé, un zeste d'orange en plus ou quelque chose comme ça, un truc un peu piquant là pour le goût, ça peut être parfait. Mais en tout cas, franchement j'ai beaucoup aimé, c'était déjà meilleur que pas mal de porridge que j'ai déjà essayé. Et donc coup de cœur parce que je sais que si je l'agrémente bien, il peut être vraiment délicieux. Donc là je vais faire mes petits sablés, mes petits spéculoos et je vous reprendrai plus tard pour vous parler d'autres choses. Dans un angle qui n'est pas très flatteur, hein. Je crois qu'on voit mes trous de nez, enfin mes narines, donc c'est pas grave. Je vous reprends pour vous parler un tout petit peu, puisque je pense aujourd'hui clôturer ce vlog. On est le 23 et je me dis, si je vous le poste soit le 23 au soir ou le 24 au matin, vous pouvez le regarder avant de fêter Noël, quoi. Parce que je trouve ça un peu bête de publier une vidéo quand vous fêtez, enfin vous n'allez pas... Je sais pas, vous n'allez pas regarder ma vidéo pendant le réveillon, je pense. Mais comme ça, vous avez quelque chose à regarder pendant que vous faites vos préparatifs, si vos préparatifs vous avez à faire. Donc, je vous reviens pour vous parler un petit peu de lecture, puisque j'ai enfin terminé quelque chose. Je sors de la douche, hein, donc j'ai les cheveux un peu trempés. Veuillez m'excuser, ou pas. hier, j'ai lu
Le repas des fauves de Vaikatia. Vaikatia est né à Damas en Syrie et il est né en 1928. Alors je n'arrive pas à trouver la date de sortie de ce livre parce que je sais que le gars est mort en 2003. Je ne sais pas, en tout cas ici, c'est une adaptation de sa pièce de théâtre par Julien Cibre qui vient placer la pièce de théâtre en France. Donc qu'est-ce qui se passe? On est dans les années 40, on va suivre le personnage de Sophie qui est une jeune fille qui vient de fêter ses 30 ans et elle fête son anniversaire chez elle. Et donc il y a des amis qui viennent pour faire l'anniversaire, ils sont 7. On est dans l'appartement et donc on a vraiment ce dialogue, tous les amis, voilà, ces conversations, tous les amis qui font des petites piques, c'est rigolo quoi. Et à un moment, t'as des coups de feu dans la rue, on est en 42 plus exactement, on a des coups de feu dans la rue. Donc, comme on est à Paris en 1942, on se doute qu'il s'est passé un truc assez, assez grave. Et en effet, il y a deux soldats allemands qui ont été abattus dans la rue. Et donc, il y a un commandant, Kobach, qui va rentrer chez eux et qui va dire, j'ai besoin de deux otages parce que, il y a deux Allemands qui ont été abattus. Donc, je vais prendre deux otages dans chaque maison pour faire 20 otages. Et donc, le but du livre, ça va être vraiment de trouver qui vont être les otages. Et donc il y a une grande conversation qui va bien sûr faire dévoiler pas mal de choses sur la personnalité de l'un de l'autre, parce que forcément il y en a qui ont la trouille, il y en a qui vont vouloir être volontaires, il y en a qui vont utiliser tous les moyens possibles pour ne pas être otages, parce qu'on se doute bien que les otages seront soit envoyés dans des camps de travail, et même s'ils connaissent pas la situation des camps de travail exactement, eh bien ils ont quand même pas envie d'y aller, ou alors ils se disent qu'en fait ils vont peut-être plutôt être fusillés. Donc c'est très intéressant comme lecture, c'est un peu une étude sociologique des comportements des gens face à un stress assez imminent, c'est assez parlant dans la situation actuelle, mais c'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord, mais quand même il y a un petit, cette tension, le fait de se poser des questions, de dire c'est quand même assez anxiogène. Et donc, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Alors c'est une pièce de théâtre et je vous l'avoue, quand je lis des pièces de théâtre, j'ai toujours beaucoup de mal à m'imaginer. La dernière que j'ai lue, c'était La Maison de Poupée, que j'avais assez bien aimé. Je vous en avais parlé, je pense que je l'ai lu il y a pile un an. J'avais lu également une pièce de théâtre de Stephen Zweig et pour le coup, je crois que c'est une de celles que j'ai préférées, parce que dans les pièces de théâtre de Stephen Zweig, enfin dans celle-là en tout cas, il y a des longs monologues et c'est vraiment le truc pour lequel Stephen Zweig, je trouve qu'il est très doué, c'est quand il y a quelqu'un qui prend la parole et ça va durer 10 pages et c'est puissant, c'est passionnant et en fait, c'est pour ça que j'avais adoré sa pièce de théâtre, parce que il y avait des dialogues certes, mais ils étaient très riches, très fournis. Et ici, le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage parce que les dialogues sont très courts. Ils disent une petite pique, donc il faut vraiment bien se l'imaginer. Il n'y a pas énormément de mise en situation, donc de description de ce qui se passe sur la scène. On l'imagine très bien, hein, c'est pas ça, mais voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de m'attacher au personnage, donc de ressentir vraiment ce côté angoissant. C'est vraiment dû au fait que ce soit une pièce de théâtre. Je pense sincèrement que si je voyais la pièce de théâtre avec des comédiens, je pense que ce serait très puissant, très fort, parce qu'il y a vraiment des discussions parfois, tu te dis « Waouh, celui-là, il va quand même utiliser cet argument-là pour pas être choisi, c'est quand même dingue ». Et ouais, ça pourrait être vraiment très bien, mais là du coup j'ai aimé, hein, c'était agréable à lire, mais j'ai pas ressenti tout le côté angoissant que j'aurais pu ressentir si j'avais vu la pièce de théâtre, alors que dans d'autres pièces de théâtre, on ressent beaucoup plus des choses, mais je crois que c'est vraiment dû au fait que chaque dialogue, chaque parole de chaque personne est très courte, et du coup on n'a pas le temps de voir, de vraiment identifier tel personnage, surtout qu'on est face à des personnages qui ont des noms très français, forcément c'est français, l'adaptation est française en tout cas, et donc on a Vincent, on a Victor, déjà les deux là je les confondais, André, Pierre, c'est des noms très traditionnels et du coup j'avais tendance à les confondre, en plus le docteur je crois qu'il s'appelle Jean-Pierre, Jean-Paul ou un truc comme ça, et du coup franchement Vincent et Victor je vous avoue que je les ai confondus, donc voilà j'ai mis un petit peu, je pense que vous avez compris ce que j'en ai pensé, mais sinon je suis très contente de l'avoir découvert et c'est vraiment quelque chose que j'irais bien voir au théâtre quand on pourra aller au théâtre, n'est-ce pas, voilà. Et sinon,
Et sinon, je me suis lancée, je vous avais dit, dans ma lecture de Noël, mais là, j'ai un petit peu avancé, je suis à la page 50, la fameuse page 50 de Christmas Actually, et je vous avoue que j'aime beaucoup. Déjà, première chose, on est avec un héros masculin, donc c'est sous le point de vue masculin, et ça change énormément, je trouve. Enfin, ça change pas grand-chose en soi, mais ça change de beaucoup de livres, sous le point de vue féminin. Donc j'aime bien déjà cette petite originalité, parce que vraiment, dans les livres de ce type, les romances de Noël, c'est toujours du point de vue féminin. Donc ça, j'aime bien. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'étais plus jeune, quand je lisais beaucoup de romances, quand j'avais 14-15 ans, je lisais énormément de romances et je voulais pas que ce soit un point de vue masculin parce que je voulais m'identifier. Et je me rends compte que c'est tellement stupide. Enfin, je comprends ce besoin d'identification, mais je peux très bien m'identifier à un homme. Et la preuve en est, j'adore ici. J'adore ce personnage masculin. Il est très touchant. Il est très complexé parce qu'il vient de perdre son job et autour de lui tout le monde réussit, c'est difficile pour lui. En même temps, il y a un côté un peu caricatural qui est très drôle et il est avec une bimbo, avec une fille qui est un peu bête, hein, et c'est très drôle. Franchement, il y a un côté très caricatural, on est bien d'accord, mais je trouve que l'humour est très bien dosé et très bien fait. Et donc c'est le deuxième Johanna Bollori que je lis et franchement j'aime beaucoup, je passe un super moment. Et le gars, en fait, il vient de perdre son boulot et il cherche absolument du boulot parce qu'il est complètement fauché, et il trouve un boulot en tant que Père Noël et ça se passe super mal au début. Bah, je suis page 50, donc vraiment au début ça se passe super mal, il jure parce que ça se passe pas bien avec les enfants qui demandent des trucs de fou au Père Noël et lui il est là, je sais pas si je peux dire oui. Et à un moment il y a un petit garçon qui le shot dans le tibia et lui il jure, et du coup tout le monde qui attend, tous les enfants qui attendent d'entendre qu'il jure, et il y a les parents scandalisés qui partent avec leur enfant. Enfin, je trouve ça super drôle, je passe un super moment. Vraiment c'est bien, c'est assez fin je trouve, et ouais j'aime bien. Franchement pour le moment c'est vraiment pile poil la chose dont j'ai envie, donc je suis assez contente. Et donc voilà, bah vous voyez, j'ai l'avantage d'avoir très peu de cheveux, ils sont fins. Du coup, au moment où je vous parle, ils sèchent très vite. Dans 5 minutes, ils sont secs. Dans 5 minutes, ils sont secs, je pense que j'ai beaucoup de chance. Je vais commencer le montage de ce vlog parce que je sens que je vais peut-être vous retrouver encore ce soir pour vous parler lecture, mais pour vous dire aussi au revoir dans ma robe, voilà. Donc voilà, je vais faire un petit peu le montage parce que je pense que ça va être long déjà avec le mug tour. Hein. On est bien d'accord que ce mug tour est un peu trop grand. Voilà, voilà. Je voulais vous montrer un peu en mode freestyle ma recette de tiramisu. Donc là, je mélange du jus de pois chiche pour faire de l'aquafaba. Vous savez, cette mousse qui ressemble au blanc en neige. Je mets la crème mascarpone qu'on vend en magasin vegan. C'est vraiment très 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 bon. Et je rajoute du sucre, mais vraiment au goût. Je goûte et puis je mélange le tout. Ça fait vraiment quelque chose de très crémeux. Et au fond du plat, j'ai fait tremper mes spéculoos maison avec un petit peu de café. Et donc je mets le résultat en dessous, je mets la crème au-dessus et je mettrai un peu de cacao par au-dessus. Et voilà, c'est tout pour le tiramisu et c'est tout également pour ce vlog. Moi, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. On est le 23 au soir au moment où je vous filme. Nous, on va fêter Noël un petit peu plus tôt. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes. J'espère qu'on passera un bon réveillon le 24 et surtout un joyeux Noël à tous. Merci d'avoir regardé. Ciao !